tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le haul Keepers de la semaine. Et donc j'ai des petites choses à vous présenter. Hop, on va commencer de suite. J'ai pris ce petit pinceau donc de chez Keepers, hein, c'est écrit dessus. Voilà, c'est écrit Keepers. Taille 1, et en fait c'est pinceau rond en martre. 1, voilà, et il est super fin. Voilà. J'en voulais un super fin, ben là il est super fin. Donc ça je l'ai pris, par contre il est super cher, il est à 6,25 €. Mais à voir ce que ça donne quand je l'utiliserai, parce qu'il est quand même beaucoup plus petit que celui-là par exemple de chez Faber-Castell, numéro 2 également pourtant. Vous voyez? Ah oui, mais là c'est le 1, voilà. Donc vous voyez la différence quand même? Il y en a quand même un beaucoup plus fin. J'avais également celui de chez... il est où? J'en avais un autre de base. Ben, je ne sais pas, il n'est pas là. Donc, il faudrait que je le recherche. Parce que j'en avais acheté un aussi avec... Viva Décor. Mais je ne l'ai pas là sous les yeux. Donc, il faudrait que je le recherche. Mais de toute façon, il ne sera pas aussi fin que celui-ci. Alors, on va faire attention en remettant la petite protection. Voilà. Donc oui, il est beaucoup plus cher, il est à 6,25 €, mais il est beaucoup plus fin. Donc à voir à utilisation. Ensuite, j'ai repris, alors j'ai pris parce que c'était en promo, voilà. Ceci, Alphabet et Numbers de chez Léal Créatif. Voilà, donc on a les minuscules, on a les majuscules, les chiffres au milieu. Et ça, c'était 4,75 €. Et je vous dirais que c'est toujours utile. Voilà. On peut faire créer nos étiquettes grâce à ça. Nickel, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était 4,75 €. Ensuite, j'ai pris également le Merry Christmas Doodle. Il était également en promo à 3,50 €. Donc, voilà ce que ça peut donner. Après, il suffit de refaire des petits motifs à l'intérieur. Et je vois, on peut même faire avec les stylos pailletés ou les feux de métallique comme j'ai pris l'autre jour. Hein. Voilà. Mais ça peut faire une très jolie étiquette. Et Merry Christmas, c'est passe-partout. Ensuite, j'ai pris... ça, c'était combien, du coup, le Merry Christmas? Oui, 3,50 €. Je continue ma petite collection Versafine Claire. Donc, je vais sortir. J'ai oublié de le sortir. J'avais le nuancier exprès. Il est où, mon classeur nuancier? Ah ben, voilà. Il a disparu. Il a disparu. Je l'avais pourtant sous les yeux l'autre jour. Je l'avais. Je l'ai mis où? Ah, bah zut alors. Bah, où es-tu passé? Où es-tu passé? Alors, il est là. Hop, voilà. Donc, on va la tester tout de suite. Donc là, il y a Tofi, c'est pas celle-ci. Hop, ça va être plus par là, je pense, Paradise. Et il est là. Voilà, donc il m'en manque encore. Ah oui, bah celle-là, c'est les Versafine normales. Versafine claires, ils sont ici. Alors, il me faut le Hello, qui doit être rangé dans un coin. Ici, Hello. Dans mon petit panier, où il y a des petits tampons exprès, regardez. Hop, voilà. Et si on veut, on peut même prendre, j'ai une étiquette aussi. Voilà, mais j'ai mon petit panier ici. Ah bah, il se décolle. Regardez. Oh, bah alors, on va essayer de te recoller, hein, correctement. Voilà. Non, mais... Alors, que donne cette belle couleur? Parce que le packaging est magnifique. Comme sur tout, hein, si vous me direz. Et en couleur, ça donne... Ah ouais, elle est magnifique. Ça donne ceci, voilà. Elle est magnifique. Un très, très beau bleu. C'est pas trop le moment pour les bleus, mais enfin, c'est pas très grave. Donc là, il m'en manque encore une, deux, trois, quatre, cinq. Ça va, on arrive au bout. Il m'en manque encore 5 Versafine Claire. Donc ça, c'est toujours à 5,40 €. Là, il faut que j'arrive à re-ranger parce que il n'y a plus rien qui rentre. Voilà. Hop, ça, donc voilà, il m'en reste encore 5 à avoir. Donc, vous en aurez d'autres en démo, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? Ah oui, j'ai voulu compléter tous mes crayons Gold Faber. Qui sont donc ici, voilà. Donc il va falloir que je les range d'ailleurs parce que
hop, que je vous montre en détail donc comment je les ai rangés. Et voilà. Franchement, quand je veux faire un coloriage d'un tampon ou d'un coloriage d'ailleurs, parce qu'en ce moment je suis en train de m'entraîner un peu comme Cordiala, on a tout là, mais c'est génial. Donc là, il me manquait ces couleurs là qu'il va falloir que je remette dedans. Donc on a la 251 qui est un gris argenté, un orange 115, un vert 166, un jaune 109, le doré 250 et un autre vert 167. Et j'en ai encore deux ici, voilà. J'ai un blanc, donc le 101, et un autre jaune, le 108. Voilà, donc là, j'ai tous mes crayons Goldfaber. Si ma mémoire est bonne, il y en a 48. Voilà. Mais donc là, j'aurais pu qu'aller re-ranger. Donc le crayon à l'unité est à 1,20€. Après, vous pouvez aussi prendre des boîtes métalliques. Très franchement, je ne m'en plains absolument pas. Ça change un peu des polychromos. Et franchement, ils sont très bien. Voilà. J'alterne entre ceux-là et les polychromos, du coup. Voilà. C'est comme tout, il faut les prendre en main. Donc tout ça, c'était 1,20€ pièce. Ensuite, j'ai pris... Oui, j'ai pris un tampon Halloween. J'ai pris celui-ci. Voilà. Donc j'ai pris celui-là où il y a plein de petits mots. Peekaboo, Trick or Treat, So Sweet and Happy, Spooky Season, Haunting, Greetings, Skip Out, Little, Fall, Pumpkin, You Are Too Cute, Fabulous, Beautiful, Halloween, Eye et Boo. Voilà. Et ça, donc, c'était 5,95€. Voilà. Mais tous les petits mots, on peut même les utiliser autrement. Le Happy, on n'est pas obligé de l'utiliser pour Halloween. Fall, on peut l'utiliser, on l'utilisera sûrement en automne. Pumpkin, il peut être utilisé pour Halloween comme pour l'automne. Donc, voilà. Toujours utile. Suite, c'est pareil, hein, c'est douceur, donc ça peut être pris n'importe où. Greetings, même pour Noël. Season, pour toutes les saisons. Donc, voilà. Ça, c'est fait. 5,95€. Ensuite, j'ai pris... Ah ben oui, pour continuer dans Halloween, j'ai pris, il est là. Celui-ci. Donc là, c'est le set de tampons et de dice. On a... Hop, voilà, donc ici, donc ça c'est le deuxième, c'est sur l'automne. Et ici, on a tout ça pour Halloween. Donc, on a les chauves-souris, donc il y en a une la tête en bas. Là, la toile d'araignée, un os. Alors, je cherche à comprendre pourquoi il y a un os, je ne sais pas. Les petites friandises de Noël, les petits fantômes. On a même les yeux qu'on peut mettre aux fantômes, donc comme on veut. On a différents trucs. La petite toile d'araignée avec, enfin le fil avec l'araignée, les petits bonbons, la chauve-souris en silhouette. Et donc là, dans tous les tampons sont également avec le dice. Voilà. Ça, c'est 13,95€ et donc c'est la collection Sweet Story. Je vous en ai déjà montré de cette petite collection Sweet Story avec mes pingouins, je crois. Ouais, les pingouins et les petites abeilles. Voilà, c'est des tampons, set de tampons dice que j'aime beaucoup. Là, celui de l'automne, je ne l'ai pas pris parce que j'ai déjà des citrouilles, que j'ai déjà le renard et puis l'écureuil. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas la peine de prendre les deux. Mais alors, celui d'Halloween, forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, je continue toujours dans Halloween parce que j'y me suis laissé tenter par les dice. Alors, par trois dice pour être exact. Le premier, c'est celle-ci avec la grosse araignée et les deux toiles. Donc, on en a une dans un angle et l'autre qu'on peut mettre en plein milieu. Voilà ce que ça peut donner. Et ça, c'était 13,95€. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci avec le bout en énorme. La petite barrière, la petite tombe, l'autre petite tombe. Ça, ce serait plus pour faire la lune, les étoiles et le RIP dans un cœur. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, dans celui-ci, on retrouve la lune qui est ici, le bout, les deux cimetières, enfin les deux tombes, et là, la barrière. On n'a pas le truc derrière là, qui est un autre dice que je n'ai pas pris. Voilà, c'est le seul qui me manquerait. Donc celui-ci, il est à... 18,95€. Voilà. Alors oui, c'est un peu cher, mais bon, voilà. Hein. Et j'ai pris aussi celui-ci à 18,95€ aussi. Et là, on a un grand contour, en fait, avec ici au milieu les branches sans feuilles.
Mais on a également les petits champignons, c'est toujours utile les petits champignons. Et on a les deux branches mortes comme ça, ainsi que le truc là. Voilà. Et non, on n'a pas la barrière. La barrière est avec l'autre que j'ai. Donc oui, il est en dessous. Ça, c'est donc le set de dice que je viens de vous présenter. Et là, on a celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris ceci. C'est presque fini. J'ai pris les brosses en 2 cm parce que j'ai déjà avec eux, j'avais pris ceci. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez la différence. J'ai également avec Lily's Choice. Hop, hop, hop. Donc j'ai différentes tailles. Et là, il existe la toute petite. Et je crois que je vais me laisser tenter parce que. Voilà, ce serait celle-là de Nelly's Choice d'ailleurs. À peu près. Ouais. Ce serait celle-ci. Mais là, je commence à avoir toutes les tailles. Mais je pense prendre la petite parce que je vais vous montrer. Du coup, je vais en profiter. Je l'ai encore sous les yeux, enfin sous la main. Je n'ai pas encore fait mes colis. Parce que j'ai une cliente qui me les a pris. Et ils sont vraiment petits. Et donc, ça peut être super pratique. Voilà. Les autres, ils sont comme ça de 1 cm. Et ouais, ça peut être super pratique. Donc, du coup, je vais me laisser tenter, je pense, dans la prochaine commande, par cela. Voilà. Et donc, ça, il y en a donc 5 et c'est 10,95. Voilà. Et les petits, par contre, sont à 9,95. Voilà, je vous avais déjà donné les prix, mais je préfère vous les redonner. Et enfin, Ah non, j'en ai encore deux, pardon. J'ai acheté ça. Alors, c'est à cause de ma fille, toujours. Voilà, le petit couple d'escargots. Voilà, à monter. On a le petit escargot là, on choisit sa petite maison comme on veut. Là, pareil, on peut choisir sa petite maison. Donc, on a différentes maisons, hein, la petite maison. Ici, comme si c'était un chocolat emballé. Ici, avec un petit trombone, donc pour une naissance, ça peut être sympa. Et ici, on a la bougie. Voilà. On a également la petite planche ici pour faire comme une flèche. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et donc, ça, c'était 4,75. Et j'ai repris, donc pour finir de ranger justement mes Gold Faber, j'ai repris une trousse comme ceci à 9,55 €. Alors, le seul hic, c'est que j'ai voulu mettre mes polychromos, pareil, dans la trousse. Donc, du coup, la deuxième de la dernière fois, j'ai commencé à mettre les polychromos. Vous voyez comment ça fait trop bien. Il en manque parce que j'en ai utilisé hier. Sauf que pour avoir les 120 comme ça, il va m'en falloir des trousses. Et j'ai beau regarder, j'ai regardé sur Vinted s'il y avait des grosses trousses. Parce que je les voulais en rouleau comme ça. Et les trousses comme ça en rouleau, il n'y a pas tant que ça de crayon à mettre à l'intérieur. Donc je ne sais pas. Voilà. Je pensais faire ça, mais je ne sais pas. Donc là, je l'ai reprise pour pouvoir finir de ranger mes Gold Faber. Et je pense que comme il n'y en a pas beaucoup qui rentreront pas dedans, je pourrais peut-être compléter aussi avec les Gold Faber Aqua que j'ai commencé à acheter et que je dois signer. Hein, d'ailleurs. Voilà, cela. Comme ça, j'aurai tous les Gold Faber, que ce soit aquarelle ou non, dans les mêmes trousses. Voilà. Et je mettrai juste un G, par exemple, ici, pour que je sache que c'est les Gold Faber. Et je mettrai un P pour les polychromos, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Appel entrant. Et bon, on verra ça plus tard. C'est tout pour mes achats aujourd'hui. Donc forcément, il y en aura la semaine prochaine puisqu'il y a d'autres arrivages. Et donc, on va en parler d'ailleurs des arrivages. On va parler de ça tout de suite. On a cette semaine dans le Studio Light nos dies ici pour faire des tags comme on a en exemple ici en bas. On peut faire ces tags ou là d'ailleurs. On a deux tags. Donc c'est 18,95 le set. Ici, 18,95 également le set pour faire un peu plus. Droit, je vais y arriver. On a des donc là il y en a combien? Je ne sais pas, je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. Donc ça doit être à peu près pareil ici. Les 10 pièces, donc 18,95 pour faire des tags de toute taille. Ici on a les glitter paper pad Fairy Tail à 13,95. Il y a 24 feuilles de 6 couleurs.
Et on a le Vintage Christmas, donc pareil, 24 feuilles, 6 couleurs, à 13,95 €. Et c'est des feuilles pailletées. Voilà, elles sont très très pailletées d'ailleurs. Bon, on a un exemple ici, mais on ne voit pas trop le pailleté, mais franchement, elles ont l'air magnifiques. Ensuite, on a donc les tag blocs Lovely Tag et Ticket Tag. À 9,95 €, il y en a 20 par couleur, donc 20 blancs, 20 craft et 20 noirs. Pareil ici. Moi, j'en ai déjà, donc j'en ai pas repris parce que, très franchement, enfin, je ne vais pas en reprendre tout de suite parce qu'il m'en reste des fois précédentes. Donc, pour l'instant, je vais rester raisonnable et je ne vais pas les prendre. Voilà. Ensuite, on a cette collection-là qui sort. Oui, 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 oui. Bon, là, par contre, il y a des choses que j'ai pris. Hein. Oui, 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 bah oui. On ne peut pas passer à côté. On a un set de dies ici à 22,95 €. Et on retrouve la petite montre, on retrouve les tickets, le petit timbre. Alors, celui-là m'intéressait, mais bon, je ne sais plus si je l'ai mis dans mon panier ou pas. Donc, 22,95 €. Il y a quand même beaucoup de pièces. J'aurais dû regarder, d'ailleurs. Je vais vous redire parce que... Ah non, j'ai fait quoi? Je ne sais pas. J'ai fermé quelque chose. Alors, dans ce set de dies avec le timbre, ici, il y a 23 pièces exactement. Voilà. Il y a 23 pièces, donc il y a quoi faire. Hein. Pour 22,95 €, ça nous fait le die à 1 euro à peu près. Donc, vu les tailles, c'est assez raisonnable. À côté, pareil, on a un exemple de carte à côté d'ailleurs et qui a été fait avec. Pour faire les cartes, donc 22,95 € également. Et là, il y a 10 pièces. Voilà. 10 pièces, mais on peut faire beaucoup de choses, je pense, avec. Alors, je ne le vois pas ailleurs, mais voilà. On le voit déjà ici, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a les bordures. Alors, les bordures, elles sont à 20,95 €. Il y en a 4. Est-ce qu'on a des bordures? Oui, là, par exemple, elle a utilisé des bordures pour faire cette carte-là. Ensuite, on a des fleurs à 22,95 €. Et là, il y a 20 pièces. Et c'est pour faire plein de petites fleurs. Donc, on les a en exemple un petit peu partout. Voilà. Ici aussi, on a le dies bordure d'ailleurs. Voilà, donc là, c'est que pour faire des petites fleurs. Ensuite, on a ici les pochoirs. Alors, le pochoir, ils sont tous à 4,95 €. Celui-ci fait un A5. Là, c'est A5. Et ça, c'est des 10,5 par 210. Donc, c'est la moitié d'une feuille A5. Même pas. Ouais, enfin, 10,5 par 21. Ben non, c'est la taille A5, ça. Donc là, c'est 14,8. Donc, c'est plus grand. Ben non, 14,8, c'est exactement la taille A5. 10,5, c'est la moitié du 21 par 21. Ouais, bon, enfin, bref. C'est tout en longueur, voilà. Je vais y arriver aujourd'hui. Je vais y arriver. Donc, on a des exemples dans les fonds hein, pour tous ces pochoirs. Donc là, il y en a forcément que j'ai pris. Voilà, voilà. Donc, je vous les représenterai. Voilà. Ensuite, on a le pack de feuilles, donc toutes ces feuilles-là en 30-30 à 9,95 €. Est-ce que j'ai le nombre de feuilles? Il y a 12 feuilles en 200 grammes. Voilà, c'est du recto verso, donc on a deux fois la même à chaque fois. Ensuite, on a les feuilles en acétate à 5,95 €. Il y a 6 feuilles à l'intérieur. Ouais, sauf que là, je suis sur le vélum. Bon, il y a quand même 6 feuilles, donc ça va. Du 20,3 par 20,3, donc à 5,95 €. Et ils ont fait également en vellum, donc pareil, 5,95 €. Et il y a 6 feuilles en 20,3 par 20,3. Voilà. Et en épaisseur, c'est du 2 mm pour les deux. Voilà, voilà. On a les washi tape à 6,95 €. Là, c'est donc il y en a 4. C'est du 47 par 37 sur 7,6 cm. Mais on voit bien que les 4 ici, donc qui sont présentés ici, ils n'ont pas tous la même largeur en fait. Donc il y a du fin, du moins fin, enfin. Et on a l'espèce de bleu turquoise là qui est magnifique. Et je pense que c'est une règle dessus. Ça fait comme un mètre. Voilà, voilà. Ensuite, on a les feuilles Ruben. Alors, les Ruben, il y a 6 feuilles aussi en 14,8 par 21, donc là, du A5.
Donc les rubens, c'est ce qu'on doit gratter sur notre feuille pour que ça colle. Voilà. Il y a 6 feuilles à 11,95. Ensuite, on a les die cuts à 5,95. Les die cuts, il y en a toujours 400 paper éléments, 20 pages. On en a 5. Voilà. Donc ça, c'est sûr, je vous présenterai. Je les prends à chaque fois. On a les blocs 20-20 à 6,95, donc pareil, hein, ça fait comme la Write Your Story, c'est à peu près la même chose. Il y en a avec des petites cartes, il y en a avec des fonds un peu moins habillés, des fonds un peu plus habillés, enfin bref, voilà. Donc 6,95 et donc comme d'habitude, il y a 36 feuilles en 170 grammes et c'est toujours du 20,3 par 20,3. Ensuite, on a les tampons. Alors, on en a un grand ici avec le postcard à 6,95. Et je crois que celui-là, je l'ai pris. Juste parce qu'il y a le postcard. Bah oui, on est faible. Bon, on a des tickets, etc. aussi. Donc, 6,95. Bon, ils sont tous à 6,95. Celui-là fait 14,8 par 2,21. Donc, c'est du A5. Celui-ci, avec tous les petits mots, c'est du A5 aussi. Il est à 6,95. Alors, c'est que des petits mots en anglais. Ici, on a une grande, donc comme à chaque fois dans ces collections-là, dans White Your Story, il y en avait, dans Warm and Cozy, il y en avait. C'est les grands longs, en fait, parce qu'il fait 10,5 sur 21. Et là, c'est avec les papillons, et là, c'est avec les oiseaux. Donc là, il y a des fleurs, là aussi, mais là, c'est avec les papillons au milieu, et là, c'est des oiseaux au milieu, donc à 6,95. Voilà, bah, donc c'est tout pour aujourd'hui, ce qui va sortir donc dans la semaine. N'hésitez pas à me le dire aussitôt. Parce que ça sort demain et que dès que c'est là, je réserve. Voilà. Donc moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain pour une créa. Ciao, 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 ciao.